Salut copain, avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo ou que j'ai pas répondu aux commentaires, mais avec l'été et tout ça, j'ai pas trop eu le temps. Donc là, je vais reprendre avec un rythme normal de 1 à 2 vidéos par semaine. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler des nouveaux sets de monstres qui vont arriver avec la mise à jour One Tamriel. Et il y a donc 16 nouveaux sets de monstres qui vont arriver en jeu. Alors les voici, on va commencer par le premier, le set d'Ilambris. Donc lui, en un objet, il augmente la magie max, et en deux objets, il fait que lorsque vous infligez des dégâts de feu ou de foudre, vous avez 10% de chance d'invoquer une pluie de météores de ce type de dégâts qui inflige 1200 de dégâts à tous les ennemis à moins de 4 mètres toutes les secondes pendant une seconde, et l'effet ne peut se produire que toutes les 8 secondes. Ensuite, le second, le set du cœur de glace, donc lui, en un objet, il augmente les critiques magiques, et en deux objets, il fait que lorsqu'on inflige des dégâts critiques, on a 20% de chance de gagner un bouclier de 8300 pendant 6 secondes. Et tant que ce bouclier est actif, vous infligez 700 dégâts de glace à tous les ennemis à moins de 5 mètres toutes les secondes. Et cet effet ne peut se déclencher que toutes les 6 secondes. Ensuite, le set de grotte d'art. En un objet, il augmente la magie max. Et en deux objets, lorsque vous infligez des dégâts, vous avez 10% de chance de créer des flaques de lave qui tourbillonnent autour de vous et qui infligent des dégâts de feu à tous les ennemis à moins de 8 mètres. Toutes les secondes pendant 5 secondes et l'effet ne peut se produire que toutes les 10 secondes. Ensuite le set de Krak, donc lui à un objet il augmente la pénétration physique et en deux objets il fait que lorsque vous infligez des dégâts vous avez 10% de chance de faire apparaître des membres de Drug qui créent des ondes de choc devant vous et qui infligent 1200 dégâts physiques toutes les 0,4 secondes pendant 0,2 secondes. Et cet effet ne peut se déclencher que toutes les 3 secondes. Donc en gros si on calcule bien ça proc 3 fois. Ensuite, le set de la mer de la nuée, lui en un objet, il augmente votre récupération de vigueur de 124. Et en deux objets, il fait que lorsque vous bloquez une attaque d'un ennemi situé à plus de 5 mètres de vous, vous lancez des filaments de soie pour l'attirer vers vous. Et cet effet ne peut se produire que toutes les 2 secondes. Ça c'est vraiment pas mal pour un PVP quand on se bat contre des ennemis à distance. Ensuite, le set de la sentinelle d'Urkugams. Donc ça c'est plus un set pour les heals, en un objet il augmente de 2% les soins prodigués et en deux objets il fait que lorsque vous soignez une cible alliée, vous avez 10% de chance d'invoquer une araignée Dwemer et l'araignée Dwemer rend 1000 de santé et 500 de vigueur à vous et à vos alliés à moins de 5 mètres toutes les secondes pendant 8 secondes. Et l'effet ne peut se produire que toutes les 15 secondes. Donc ça c'est un peu comme l'automate Dwemer sauf que c'est pour vous et vos alliés qui sont à 5 mètres et ça rend tout le temps de la vigueur et de la santé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite le set du pirate squelettique. Donc lui a un objet, il augmente la résistance physique et la résistance au sort. Et en deux objets, il fait que lorsque vous subissez des dégâts, vous avez 6% de chance de vous transformer en squelette. Et quand vous êtes transformé en squelette, vous gagnez protection majeure et profanation majeure pendant 12 secondes. Les dégâts que vous subissez sont réduits de 30%, par contre les heals que vous recevez sont également réduits de 15%. Et cet effet ne peut se déclencher que toutes les 15 secondes. Ensuite, le set Poigne Tempête. Lui a un objet, il augmente la récupération de vigueur. Et en deux objets, il fait que lorsque vous infligez des dégâts, vous avez 10% de chance de créer un point de tonnerre qui écrase l'ennemi. Il inflige 1400 dégâts de foudre toutes les 1 seconde pendant 3 secondes à tous les ennemis à moins de 4 mètres. Puis il inflige 7700 de dégâts physiques lorsque le point se referme complètement. Donc ça j'ai pas vu en action comment ça se passe. Mais bon je pense que c'est au bout des 3 secondes il se referme et ça inflige 7000 de dégâts. Et donc cet effet ne peut se déclencher que toutes les 8 secondes. Ensuite le set Rampe Fange. Donc lui à un objet il augmente la récupération de santé et en deux objets il vous donne Berserk mineur de manière permanente ce qui augmente vos dégâts de 8%. Ensuite le set de la Ronce Étouffeuse. Donc ce set augmente votre récupération de magie et en deux objets, il fait que lorsque vous utilisez une compétence de soin, vous avez 15% de chance d'invoquer une poussière d'étrangleuse qui vous soigne, vous et vos alliés, de 18800 en 4 secondes. Et cet effet ne peut proquer que toutes les 10 secondes. Donc ça c'est un sacré putain de heal quoi, 18880, sachant que là j'ai des stats de moule asthmatique, il y a moyen d'avoir du gros heal avec ce set. Ensuite, le set de Sélène. Donc en un objet, il augmente votre vigueur max. Et en deux objets, lorsque vous infligez des dégâts directs au corps à corps, donc autre que des dots, vous avez 15% de chance d'invoquer un esprit primordial qui attaque le premier ennemi devant vous et lui inflige 11500 dégâts physiques. Cet effet ne peut proc que toutes les 4 secondes. Et 11500, c'est énorme. Ce set, pour un DPS vigueur en PVP, ça va faire du sale. Bon, ensuite... nous avons le set Célistrix. Donc lui en un objet il augmente la vigueur max et en deux objets, lorsque vous infligez des dégâts, vous avez 10% de chance de provoquer un tremblement de terre sous l'ennemi
qui éclate après 2 secondes. Pour infliger 3700 de dégâts physiques à tous les ennemis à moins de 4 mètres et les étourdir pendant 3 secondes. Cet effet ne peut se produire que toutes les 5 secondes. Donc ça, ça crée un tremblement de terre qui proc au bout de 2 secondes. Ça fait des dégâts en AOE et en plus ça stun. Donc ça, plutôt sympa pour du PVP de masse. Ensuite, le set Tremblécaille. Donc lui, c'est plus un set pour les tanks. En un objet, il va augmenter votre vigueur max. Et en deux objets, lorsque vous provoquez un ennemi, donc quand vous faites un taunt, vous avez 50% de chance de faire surgir un éventreur des dunes sous ses pieds qui inflige 6100 dégâts physiques à tous les ennemis à moins de 4 mètres et réduit leur vitesse de déplacement de 70% pendant 8 secondes. Et cet effet ne peut se déclencher qu'une seule fois toutes les 4 secondes. Ensuite, nous avons le set Gardien Infernal. En un objet, il augmente votre magie max et en deux objets, lorsque vous utilisez une compétence de bouclier protecteur, vous avez 50% de chance de lancer 3 bombes en 2 secondes vers l'ennemi le plus éloigné. Et ces bombes infligent 5300 dégâts de feu à tous les ennemis à moins de 5 mètres du point d'impact. Cet effet ne peut se déclencher que toutes les 6 secondes. Ensuite, l'avant-dernier set, le set du Roi Troll. Lui, en un objet, il augmente les soins prodigués de 2%. Et en deux objets, lorsque vous soignez une cible amicale, comme si on allait soigner des ennemis, mais bon. Si elle est encore sous les 60% de sa santé, sa récupération de santé est augmentée de 1500 pendant 10 secondes. Donc ça, c'est super. Pour lui, heal, c'est sympa, mais c'est du heal en gros par rapport à votre récupération de santé. Et le dernier, le set taille ombre. Donc lui, en un objet, il augmente votre récupération de magie. Et en deux objets, lorsque vous infligez des dégâts, vous avez 5% de chance de faire proc un Fauche Clan pendant 15 secondes. L'attaque de base du Fauche Clan inflige 3300 dégâts physiques et applique mutilation mineure à tous les ennemis frappés pendant 3 secondes, ce qui réduit les dégâts qu'ils infligent de 15%. Et cet effet ne peut se produire que toutes les 15 secondes. Voilà pour l'ensemble des nouveaux sets de monstres, donc il y en a 16 différents. Là pour le coup, ils se sont lâchés les devs je trouve. 16 ensembles de monstres pour la mise à jour, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on en a terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce content en bas de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite, c'était Désastre. Allez, ciao!